D'habitude, les gens qui parlent de fin du monde, on les enferme. Ou l'on se moque d'eux. Parfois même les deux. On ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement. Par l'enlèvement de Desmond Miles. Mon fils. Ce garçon manquait d'ambition. Il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant, il avait un héritage. Un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. L'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Éden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité. Celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries. Mais elle cache nos véritables ennemis. Les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires. Et même plus longtemps, si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois. Car je connais la vérité. C'est là toute la beauté et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres. Qui offre la possibilité de tout changer. De nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création, seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice, de libérer les esprits et les corps. Mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et Templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui. À Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés, à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Une race de précurseurs, au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Eden. Voilà l'endroit où les voix l'ont mené. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ezio. Il tient à la main la pomme d'Eden. Et nous sommes à ses côtés, prêts à l'aider. Si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Miles. Et il nous a conduits jusqu'à la fin. Allons-y.
instant après, Alice au pays des merveilles était à la poursuite du lapin dans le terrier, sans songer une seule seconde comment elle en sortirait. Je crois que cette fois, on y est. Desmond. Tu nous entends? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Le temple a déclenché un effet de transfert. Tu t'es évanoui et tu es rentré dans un état d'amnésie. Alors, bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus au lieu de... Je sais pas, moi. Vous assurer que j'allais bien?
tu ne courais aucun danger. En plus, le temple a l'air de communiquer avec toi, et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'il veut. Ouais, je vois le genre. Fils, je... Non, non, c'est bon, j'ai compris. Et je sais ce que je cherche, au fait. C'est une clé. Mais je sais pas où elle est. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle ? C'est Junon. C'est elle qui me parle. D'accord, Desmond. Pendant que tu visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'Animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de pépins. D'accord. Dis-moi ce que je dois faire. On va commencer doucement. Rejoins le marqueur là-bas. Très bien, Desmond. Entraîne-toi à escalader ces objets. Ça, c'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. Très bien, Desmond. Suis les instructions à l'écran et tue les deux Templiers. Il suffit juste de sauter de l'autre côté. Ta synchronisation a atteint un bon niveau. On devrait pouvoir reconstruire l'univers. On va enfin savoir ce que ce temple attend de toi. Tout va bien, sœur ? Oui, tout va bien. Je réfléchissais, rien de plus. N'oubliez pas votre invitation. Master Birch vous rejoindra à l'intérieur. Merci. Où dois-je vous attendre quand vous aurez terminé ? Juste devant l'opéra. Et ne traîne pas, je ne compte pas rester ici très longtemps. Je m'y rends tout de suite.
votre invitation. Puis-je prendre votre manteau, monsieur ? Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir prendre place. Bonsoir, monsieur. Par ici, je vous prie. Bonsoir, Etam. Reginald ? Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette œuvre, que j'apprécie tout particulièrement. L'as-tu déjà vue ? Une fois. Mon père m'a emmené la voir quand j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens guère. Et je suppose que je n'aurai pas le loisir d'en profiter pleinement ce soir. Non, j'en ai bien peur. Ne perdons pas de temps. Le vois-tu ?
and a statesman because he's so great. Thinks his trade as honest as mine. A lawyer is an honest employment, so is mine. Like me too, he acts in a double capacity, both against vote and for. For 'tis but fitting that we should protect and encourage cheats, since we live by them. Sir, Black Maul at set word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious, you may satisfy her that I'll soften the evidence. Tom Cake, sir, is found guilty. A lazy dog! Il est dans l'une des loges là-haut. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie. This is death without reprieve. C'est déjà fait. For Tom Gag, £40. Let Betty Sly know I'll save her from the transportation, or I can get more by her staying in. Betty hath brought more goods into our lofty year than any five of the gang. And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. Je vous demande pardon. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, live at 12 months longer. I love to let women...
no reward. There is nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman. 'Twas to her I was obliged for my education. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Truly, Filch, thy observation is right. We in the searchers are more beholden to women than all the professions besides. So, that's more that said word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious, you may satisfy her that I'll soften the evidence. Tom Gates, sir, is found guilty. A lazy Tom. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not bend his hand. This is death without reprieve. I may mention a book. Poor Tom Gag. £40. Let me so I know I'll save her from transportation. For I can get more by her staying here. Betty hath brought more goods into our locked year than any five of the gang. And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, live at 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always lets the end of his life, because the breed the gang depends on. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be done by the death of women. Except our wives. Without dispute, she is a fine woman. 'Twas to her I was obliged for mine. 'Tis woman that seduces all mankind. A girl we first were taught a weakling of. Her paralyzed conceit when those
gentleman is long kept in suspense, penitence might break his spirit ever after. Besides, certainty gives a man a good air upon his trial, and makes him risk another without fear or scruple. But all the way, but 'tis a pleasure to be the messenger of comfort to friends in affliction. But 'tis now high time to look about me for a decent against next session. I ain't a lazy rogue, by whom one can get nothing till he's hanged. A register of the gang. Crook-fingered Jack. A year and a half in the service. Let me see how much the stock owes to his industry. 1, 2, 3, 4, 5 gold watches. And 7 silver ones. A mighty clean-dannered fellow. 16 snuff boxes. 5 of them. Ethan, tu aurais dû venir me voir. Nous aurions trouvé une solution. Oui. Mais vous auriez tout compris. Sachez que j'en suis navré. Moi aussi. Ne poussez pas. Calmez-vous. Vous ne sortirez que si vous vous calmez.
Et comment était l'opéra ? Il était plutôt ennuyeux, à dire vrai. Souhaitez-vous que nous y allions ? Oui. Fleet et Bride. À votre service. C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Ah oui, ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera ? Peut-être un savoir, peut-être une arme, ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira, c'est un mystère. Ces précurseurs demeurent une énigme. Mais une chose est certaine. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Ou pour nos ennemis, s'ils devaient nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle ? Ah, monsieur Harrison. Messieurs, qu'ont donc révélé vos calculs ? Je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et je m'en excuse. Si j'avais pu être plus précis... Ce n'est rien. Cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de 5 sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra t'arrêter. Bien. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'ancre à l'aube. Bon voyage, Edam. Fais honneur à notre ordre.
Puis-je vous parler un instant? Ah, un autre Londonien. Ravi de constater que je ne suis pas le seul gentilhomme à bord. Rupert Martin, enchanté. Etam Kenway. Mes hommages. Il semble que nous quittions la ville au bon moment. Ah? N'avez-vous pas entendu parler du meurtre à l'opéra? Non. Que s'est-il passé? Ils essaient toujours de tirer cela au clair, mais nous ne sommes pas prêts d'apprendre la vérité. Sait-on pourquoi l'homme est mort? Ils ont écarté le vol. Peut-être est-ce une relation d'affaires qui a mal tourné. Ou un mobile plus personnel, plus sombre. Qui sait? Mais je suis heureux de laisser cela derrière moi. Londres devient chaque jour plus dangereuse. Bonjour, docteur. Mes amitiés. Une question, si vous le permettez. Servez-vous à bord de ce bateau ou êtes-vous un simple passager? Un peu des deux, à dire vrai. La Marine Royale m'a chargé d'étudier les maladies en mer. Et je vais observer l'équipage durant le voyage. Nous avons découvert que les marins se portent mieux que nous autres, une fois en haute mer. J'espère découvrir pourquoi. Puissent vos recherches être couronnées de succès? Certes. Merci pour vos encouragements. Thank you.
Ce compte-là, je vais vite gagner. Capitaine. Monsieur Kenway. Je tenais à vous remercier de m'avoir pris à bord. Acceptez mes excuses pour les désagréments que mon arrivée a causés. Désagrément est un euphémisme. Désolé, je ne comprends pas. Cela fait deux jours que mon navire est bloqué au port afin de vous accueillir. Cela m'a coûté plusieurs contrats. Je n'en savais rien. Bien entendu. Vous, les nobles, vous êtes tous pareils.
ensuite, tout se passerait bien. T'en es vraiment certain? Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti? Non, mais ça plaît pas beaucoup aux autres. Aie confiance, mon ami. Tu verras. Eh bien, on dirait que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. Tu devrais regagner tes quartiers. Les mauviettes n'ont pas leur place. Je vous l'accorde. Et pourtant, vous êtes là. T'es un plaisantin, hein? Voyons si tu trouves ça drôle. Ça suffit, Greg. T'en mets pas, toi. Envoie-lui un coup dans les côtes. Regardez-moi ce petit tyran. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs? Ça va, les gars. Ça suffit. C'est le capitaine vous croit. Il aille au diable, le capitaine. Et toi aussi, Mills. T'es dans quel camp pour tout ça? Regardez-le. Achève-moi ce pantin! Allez, grave! Esquive! Esquive! Quoi? Tu crois que j'ai peur de toi? Non. Mais vous le devriez. Vous abandonnez? Jamais! Toujours aussi sûr de toi? Capitaine! J'attends vos explications, monsieur Kenway. C'est mal. On s'entraînait juste un peu pour passer le temps, capitaine. Et si vous passiez plutôt votre temps à faire ce pour quoi on vous paye? Vous vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant? Je dois vous parler, monsieur Kenway. Ah, je l'ai oublié. Voilà votre couteau. Je ne vous apprécie pas, monsieur Kenway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause, capitaine. Comment osez-vous? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. Écoutez, peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. Mon Dieu, c'est surprenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seul pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que décidez-vous? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Me suis-je fait comprendre? Fort bien. Bonne journée.
monsieur. Vous attendez-vous à une traversée agréable ? La saison est plutôt calme, même si elle offre son lot de tempêtes et de mers agitées. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. L'océan sera plus une nuisance qu'un danger. Seuls les pirates et les corsaires renégats m'inquiètent. Avez-vous déjà eu affaire à eux ? Oui. Mais le Providence est un solide navire et l'équipage connaît son métier. Vous êtes entre de bonnes mains. Monsieur Kenway. Capitaine. Quoi qu'ils mijotent, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que je m'en occupe. Réduit nos rations. Il dit qu'on n'a pas assez de vivres pour manger autant. C'est pas juste qu'il s'empiffre d'agneau et de vin, alors qu'on se contente de biscuits et de poissons salés. Lui dire deux mots. Mais ils ont essayé. Le capitaine l'a renvoyé. Je le trouve louche. Il garde toujours son chapeau. Tu cherches encore la bagarre, c'est ça? Laissez-moi. Thank you.
Vous avez bien corrigé, Graves Quill. Ce n'était pas par plaisir. Je sais. Aussi crétin l'un que l'autre. J'en oublie mes manières. Louis Mills, ravi de vous rencontrer. Et Tam Kenway. Alors, devrais-je surveiller mes arrières? Les gants ont dû comprendre la leçon. Ils sont plus commodes d'habitude. Mais disons que les dernières traversées ont été un peu... rudes. Ah. Le capitaine rume sur les rations et la paix. Et il prend des cargaisons dangereuses. L'équipage a les nerfs à vif. Y a-t-il de vraies raisons de s'inquiéter? D'habitude, non. Mais le capitaine devrait revoir la manière dont il traite ses hommes. Brave, j'ai des questions à vous poser. Tant mieux pour vous, mais j'ai pas le temps de bavarder. Puis j'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le cuistot ou le docteur. Tout le monde cause avec eux. Pas de service avant 2 heures. J'ai quelques biscuits sous la main si vous mourrez de faim. En fait, je viens vous poser une question. Quel genre? Certains hommes ont-ils un comportement étrange? Ont-ils tenu des propos plutôt inhabituels? Les matelots se plaignent des rations, comme si j'y pouvais quelque chose. Mais à part ça, j'ai rien entendu. À votre place, j'irai voir James. Il est toujours au courant de tout. Et où puis-je le trouver? Il est juste derrière vous, le gars assis sur le tonneau. Êtes-vous James? Ouais. Et Tam Kenway, ravi de vous rencontrer. Je sais qui vous êtes. J'aimerais vous poser quelques questions. Je m'y attendais, mais pas ici. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Avez-vous vu ou entendu des choses inhabituelles depuis notre départ? Y a-t-il une raison de s'inquiéter? J'ai vu certains matelots se réunir sur le pont, en pleine nuit. J'ai pas vraiment entendu ce qu'ils racontent, et je n'ai aucune idée de ce qu'ils manigancent. Mais à mon avis... ça annonce rien de bon. Ont-ils l'intention de se mutiner? Tout ce que je sais, c'est qu'ils détestent le capitaine. Mills a tenté de les calmer, mais... c'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand-chose à lui tout seul. Merci pour ces informations. Tout ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. Bonsoir, monsieur. Tout va bien? La nuit est calme, comme je les aime. Que faites-vous sur le pont? Une simple envie de me dégourdir les jambes. Rien de plus. Regardez où vous mettez les pieds.
Le pont est un endroit dangereux la nuit. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un jette des barils à l'eau. Mais pourquoi ? Vous devez découvrir ce qu'il mijote. Vos hommes n'aiment guère parler, mais je fais de mon mieux. Ne traînez pas! Je le trouve louche. Il a encore réduit nos rations. Il dit qu'on n'a pas assez de vivres pour manger autant. C'est pas juste qu'il s'empiffre d'agneau et de vin, alors qu'on se contente de biscuits et de poissons salés. Alors, si vous pouvez venir vous aussi, tout le plan sera réuni. Vous avez bien corrigé, Graves et Quill. Ce n'était pas par plaisir. Je sais. Aussi crétin l'un que l'autre. J'en oublie mes manières. Louis Mills, ravi de vous rencontrer. Et Tam Kenway. Alors, devrais-je surveiller mes arrières ? Les gants ont dû comprendre la leçon. Ils sont plus commodes d'habitude. Mais disons que les dernières traversées ont été un peu... rudes. Ah ? Le capitaine rogne sur les rations et la paix. Et il prend des cargaisons dangereuses. L'équipage a les nerfs à vif. Y a-t-il de vraies raisons de s'inquiéter ? D'habitude, non. Mais le capitaine devrait revoir la manière dont il traite ses hommes. Chaque nuit, c'est la même chose. Je patrouille un secteur, mais ils jettent les barils depuis un autre endroit. Je vais devoir recruter une autre paire d'yeux. James peut-être, ou Mills. Mais pourquoi font-ils ça ? À mon avis, ces barils servent de repère. Ils laissent une piste. J'ai bien peur que ceux qui nous suivent n'aient l'intention de... Navire en vue ! Ils se préparent à faire feu ! Tout le monde à son poste ! Armez-les ! Attention! Touchez-vous! Touchez-vous! Un coup de semence! Ils ne veulent pas nous couler, mais nous aborder! Tous aux pièces! Au poste de combat! Descendez au pont inférieur! Pourquoi?
Laissez-moi aider à défendre le navire. Vous savez gréer une voile, charger un canon, vous battre en mer? C'est ce que je pensais. Alors retournez dans votre cabine. Vais-je devoir vous faire escorter? Fermez les coutilles! Ethan. Êtes-vous monté sur le pont? Un navire s'apprête à nous aborder. C'est curieux. Il n'y a aucun signe de mutinerie. Ça n'a aucun sens. Aussi, au contraire. Que voulez-vous dire? Tu pensais pouvoir fuir Londres si facilement après ce que tu as fait à l'opéra? Qu'on ne le remarquerait pas? Qu'on ne te ferait pas suivre? Ah, c'est donc de cela qu'il s'agit. Rends-toi, et je veillerai à ce qu'on te traite avec honneur. Si tu veux me traiter avec honneur, donne-moi une lame. Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer à moi? De rester en bas. J'ai obéi à votre ordre, mais Mills m'attendait dans la cale. C'est lui qui a attiré ce navire. Il n'y a pas de mutinerie, il a agi seul. Que veulent-ils? Moi. Alors qu'ils vous prennent? Vraiment? Ils vont nous rattraper. Nous ne pouvons rien y faire. J'ai peut-être une idée. Vous voulez que nous voguions vers la tempête? C'est notre seule chance. Je m'y refuse. Alors je le ferai. D'accord, j'obéis. Tirez sur les filets! Tirez! Tirez!
Préparez-vous à accoster, matelot. Accoster? Il n'y a aucune terre en vue, juste cette brume. Les cris des mouettes en disent long. Grimpez au mât et voyez par vous-même. Master Kenway,
Master Kenway. Oui, que puis-je faire pour vous? Charles Lee, sir. Ravi de faire votre connaissance. On m'a chargé de vous montrer la ville, de vous aider à vous installer. C'est inutile, sir. J'ai pris soin de faire livrer vos bagages à l'auberge. Serais-tu le fils de John et d'Isabella? Oui, c'est bien moi.